Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tout en simplicité. Je partage avec vous des recettes que j'ai eu l'occasion de faire depuis que je suis ici. La plupart des produits sont ceux que vous avez pu voir dans ma vidéo organisation et retour de course à l'étranger. Ce sont vraiment des ingrédients de base et ça pourra vous donner des idées pour composer un menu équilibré sur une journée. On commence avec le petit déjeuner, donc j'utilise les derniers ingrédients qu'il me reste. Je n'avais pas encore ouvert les flocons d'avoine et comme il fait encore très beau ici, j'ai eu envie de préparer un overnight porridge. Donc c'est comme un porridge mais que vous préparez la veille au soir qui va rester au réfrigérateur toute la nuit et il sera prêt à consommer le lendemain matin. Pas besoin de cuisson. En fonction de vos besoins, il vous faudra environ 3 à 5 cuillères à soupe de flocons d'avoine et cette fois-ci je l'ai parfumé avec du chocolat en poudre et de la cannelle. Donc je mélange bien d'abord tous les ingrédients secs. Je recouvre généreusement avec du lait végétal. Là, c'était toujours le lait d'avoine qui me restait. Et j'ajoute une petite touche de douceur avec une cuillère à café de sirop d'agave. Je mélange le tout jusqu'à ce que je réussisse à obtenir quelque chose de bien homogène. Je le place au réfrigérateur pour toute la nuit et voilà, le lendemain matin, il ne restera plus qu'à rajouter des petits toppings pour le rendre encore plus gourmand. J'ai utilisé le yaourt Alpro façon skyr. Alors ce yaourt est incroyable, il est tellement épais, on dirait du mascarpone. J'ai dû le fouetter un moment avec une fourchette pour arriver à avoir une texture un peu plus légère pour pouvoir le servir. Après, je rajoute une demi-banane en rondelles, l'équivalent d'une belle cuillère à café de beurre de cacahuète. Et j'ai mis aussi un petit peu de cannelle et je termine avec un trait de sirop d'agave. Voilà, c'est un petit déjeuner tout simple, très facile à préparer, qui peut vous permettre de gagner du temps. Et en même temps, tellement gourmand et visuellement, ça donne envie de bien commencer sa journée. Ce matin-là, la mer était tellement magnifique, je n'ai pas pu m'empêcher de vous partager cette vue. Pour le midi, j'ai utilisé le poivron que j'avais trouvé lors de mes premières courses. Vous savez, celui qui avait une forme un peu bizarre. Et en fait, il était tellement gros, ça m'a permis de faire une belle poêlée. J'avais l'équivalent de 2 bonnes portions de légumes. Je l'ai juste fait revenir dans un petit peu d'huile d'olive et je l'ai assaisonné avec un mélange d'épices spécial barbecue. J'ai trouvé ça ici et c'est pas mal du tout. C'est un mélange d'épices et d'aromates secs. Sans arôme ajouté, ça c'est vraiment très bien. Il y a du paprika fumé, de l'ail, de l'oignon, du romarin, de l'origan, du piment, enfin plein de choses qui donnent beaucoup de goût. Je fais dorer le poivron et je le laisse cuire le temps qu'il devienne bien tendre. Pour les protéines, j'avais trouvé ces produits à base de soja et de blé. Alors je sais qu'on en trouve en France aussi maintenant depuis quelques temps. C'est une marque espagnole et vraiment leurs produits sont super bons. La compo est très clean, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et pourtant on arrive à avoir une texture délicieuse. On dirait vraiment du blanc de poulet, mais pas le blanc de poulet tout sec là, vous voyez. C'est plutôt les morceaux qui ressemblent aux os de cuisse ou même les solilès. C'est vraiment tendre, moelleux et c'est délicieux. C'était parfait pour accompagner cette poêlée de poivron et j'ai terminé l'assiette avec des nouilles de riz que j'ai juste fait tremper dans de l'eau bouillante. Je les ai bien égouttées et passées sous l'eau froide pour qu'elles ne collent pas et j'ai tout mélangé dans la poêle. Et pour accompagner cette assiette, j'ai juste coupé une belle tomate en quartier. J'ai rajouté quelques oignons nouveaux avec un assaisonnement tout simple, huile d'olive et vinaigre balsamique. Et j'ai rajouté le vert des oignons sur l'assiette de pâte au poivron pour apporter un petit peu de couleur. Je n'ai pas fait exprès, mais c'était vraiment aux couleurs espagnoles avec tout ce rouge. C'était vraiment très bon et ça m'a permis de faire 2 repas. J'étais tranquille pour le lendemain, tout était déjà prêt.
Pour le repas du soir, j'ai préparé deux patates douces, comme ça j'en aurai pour plusieurs fois. Je les ai tout simplement coupées en gros quartiers et assaisonnées avec un peu de sel, des épices et de l'huile d'olive. Je mélange pour que cette marinade en fait enrobe bien chaque morceau. Et je les mets au four pour à peu près 20 minutes à 150 degrés, mais c'est vraiment dans ce four là, il est très puissant, je pense qu'il n'est pas vraiment bien réglé, mais sinon dans un four traditionnel et plus normal on va dire, c'est à peu près 30 minutes à 180-200 degrés. Pendant la cuisson, j'ai utilisé une petite boîte de pois chiches que j'ai bien égouttée et rincée et je l'ai fait sauter dans un peu d'huile d'olive, du paprika fumé et un petit peu de sel. J'ai servi tout ça avec un petit peu de salade verte et j'ai complété mon assiette avec de l'avocat coupé en petits cubes, des pousses de haricots mungo et de la mozzarella. J'ai fait cette association par hasard, je vous en ai parlé sur Instagram, c'était pour apporter un peu plus de protéines et en fait c'était délicieux. Je fais souvent patates douces et lait de coco, mais alors patates douces et mozzarella, je vous assure, il vous faut essayer ça. Peut-être que vous connaissez déjà, mais moi c'était une vraie découverte et j'ai adoré. J'ai fait un petit assaisonnement classique avec de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. J'ai terminé mon assiette avec des petites graines germées que j'avais trouvées la semaine dernière pour apporter encore un peu plus de vivant à cette assiette. Et franchement, c'était délicieux. Pareil, j'en ai eu pour plusieurs fois, c'était vraiment très pratique. Voilà, trois idées de recettes pour composer un menu équilibré sur une journée. Mais je n'allais pas vous laisser sans vous proposer un petit dessert ou une petite collation. Donc je vous propose des biscuits à la banane et aux flocons d'avoine, tout simple vraiment, avec ceux que j'avais parce que je n'ai pas de quoi faire des recettes trop sophistiquées. Mais comme quoi, avec juste quelques ingrédients de base, on peut tout à fait manger sainement, équilibré et se régaler. Voilà, j'ai attendu le lendemain matin pour avoir une belle luminosité et vous montrer tout ça. Alors, c'est vrai que ce four est très compliqué à régler, mais finalement le résultat n'était pas trop mal parce que le dessus était bien croustillant et à l'intérieur c'est resté moelleux. Même avec les moyens du bord, j'ai réussi à faire des choses pas trop mal. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vais bientôt devoir rentrer chez moi et je vous retrouverai dans un cadre plus habituel pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup pour votre soutien, n'hésitez pas à liker, partager et surtout, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. À très vite, bye !